Le quotidien La Boussole nous informe qu'en conseil des ministres, Jean-Pierre Bioyara est promu conseil technique de l'enseignement technique, la formation professionnelle et aux alternatives éducatives. Et l'essentiel du compte-rendu est à découvrir dans les colonnes du journal. Pour violation du code de déontologie et de l'éthique des médias, l'ODEM condamne les journaux L'Enquêteur et Le Pays émergent. Daibi Info, Sécurité nationale, 1300 nouvelles recrues de la police républicaine seront présentées ce jour au drapeau. Irrégularité constatée dans les lotissements au Bénin, le Conseil des ministres annule 635 opérations. La primeur coopération entre le Bénin et le Nigeria, le président Talon reçu hier par son homologue Tinubu. Décryptage info, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga, les travailleurs en assemblée générale ce jour. Les quatre vérités, travaux d'entretien du réseau dans le Zou, Colline, Borgou et Atakoura, perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique dans plusieurs localités ce jeudi. Et Patrice Talon du Bénin chez Bola Tinubu du Nigeria hier mercredi, 43 produits autorisés d'entrée sur le territoire nigérien. L'événement du jour, cadre de vie au Bénin, le gouvernement annule 635 opérations de lotissement. Et le journal nous informe qu'à l'Assemblée nationale, les études sur la modernisation de l'administration parlementaire sont restituées.